Salut à tous les amis, ici Fantu cherche un titre pour le prochain épisode, plus connu sous le nom de Fanta, et vous connaissez les dessous de Fanta Bob Lennon, je suis en compagnie du grand du magnifique Bob Lennon. Salut Bob. Bonsoir, je suis Bob Lennon, champion invétéré de tennis, de golf, de sexe et de fléchette intercontinentale, et j'ai volé le titre à monsieur Ken Bogard qui avait commenté un championnat de France de fléchettes ou un championnat d'Europe de fléchettes qui s'était passé à Fougères, je ne sais plus, et j'en avais revu un petit peu et ça avait l'air super intéressant. C'est juste que c'est dommage parce que les fléchettes, il y a bien, enfin, il y a 10 000 façons de jouer aux fléchettes comme au billard. J'aimerais juste savoir quelles règles sont utilisées pour le championnat d'Europe, que ce soit les fléchettes avec le score, que ce soit les fléchettes avec le score qui descend. Oui, c'est ça, moi je connaissais le score qui descend et qui est très sympa. Mais il y en a 10 000 de manière, c'est comme le billard avec 3 boules, avec 15, avec la 8, enfin voilà quoi, c'est pour ça. Mais enfin bon, dans tous les cas aujourd'hui, petit jeu de fléchettes et je suis en train de regarder, tu es invité Fanta, il faut que tu acceptes. D'ailleurs, il y a Lady Gaga qui est passée à Fougères. Sérieux ? Il accepte l'invitation. Non, c'est de la merde, c'est une ville pourrie. Lady Gaga qui est passée à Fougères. What the fuck ? Paris, Lyon, Fougères. Ça. Melun. Ouais. Génial idée. À Fougères, à Melun, à Burlin. Tu me dis quand t'as accepté l'invitation pour le jeu de Noisy le Vieux. Alors, jouer, c'est parti, j'ai accepté ton invitation, mais je suis tout seul. Ah, je suis tout seul. Non, regarde, Gabi974, t'es invité. Ouais, parce que moi, il me dit de confirmer paramètres, donc en fait, j'ai lancé le truc. Non, c'est toi qui as lancé la partie, reviens. Ouais, bah c'est ça, confirmer paramètres, et c'est moi qui dois t'inviter. D'accord, bah invite-moi alors. Dans la liste d'amis. Alors, Bob Lennon. Voilà. Hop. Ah, invitation à fléchette, j'arrive. On foutrait, moi. Et puis c'est toi qui enregistre, dis-moi là. Non, pas du tout. Ah bah oui, c'est ça qui est con. Il va falloir le refaire. Ah merde! Ah merde! Oui, pardon, excuse-moi! T'as ça pas dépend, enregistré ça du tout? Dépend. En fait. Si, j'ai enregistré, j'ai enregistré. Voilà, c'est bon, il est là! Il est présent! Ouais. Excusez-nous, sur le coup, on était paniqués parce qu'il fait. Et du coup, c'est toi qui enregistres? Moi, je dis à quoi? Mais non, mais j'ai pas. Enfin, on a fait ça là, juste après là. Blablabla. Il fait non, bah écoute, c'est bon, on va régler ça. Vas-y, présente. La prochaine, c'est Bob Vision. Allez, je joue! Je joue, c'est parti. Vous voulez écouter de la musique redneck, n'hésitez pas à mettre du banjo derrière. Mettez-vous le banjo dubstep. Si vous tapez banjo dubstep, vous devrez tomber sur une musique. Je crois que c'est Break Your String que ça s'appelle, ce qui veut dire casser votre corde et pas casser votre cul. Et casser votre corde, ça veut pas dire casser ton slip, hein, ça veut dire mourir, c'est ça? Voilà. Non, oui, mais ça veut dire aussi casser la corde, tu sais, d'une guitare, quoi. Ah, d'accord. Okay. Allez, c'est parti, bro. Bro for life. Ouais, putain, tes sourcils sont bien épilés, hein. For life. Le joueur ayant lancé la fléchette la plus proche du centre commence. Oh putain, ça tremble. Ah putain, bah je vais me mettre à la souris. Oh, ça tremble, l'autre. Oh yeah. Eh hey, dis donc, il y a de la musique, ça fait chier ça. Si le temps... Oh bah écoute, hein, au pire appuie sur start. Hop, je vais aller dans le son. Non, je vais la musique, c'est bon. C'est con, je pense pas qu'on aura de problème de droit d'auteur. Non, mais c'est pas bon, tu fais start paramètre. Ah putain, oh là, il m'a arnaqué. T'en fais pas. Ah bah voilà, moi je suis bien. Mais en fait, quand le temps est écoulé, ça lance la flèche automatiquement et c'est celui qui lance plus près du centre qui relance. Du coup, c'est moi qui commence, c'est pas grave, on s'en fout. Entendu. Alors, du coup, 301, bah oui, c'est la règle classique. C'est la règle qu'il faut baisser. Ouais. Le premier qui arrive à 0 a gagné. Les petits ronds extérieurs comptent double par rapport au score et les petits cercles internes comptent triple. Le centre, c'est 50 et 100. Et là, j'ai eu 50, je pense. Non, 25. D'accord, c'est 25 et 100, d'accord. Et 50, c'est 50. Ouais. C'est pas. On a une autre. Hop. Oh, bah, du coup, je l'ai eu au centre. Dans le 1000. 75, d'accord. Ah non, attends, c'est 50. 50 centre, et 25. 50. Ouais. Le petit centre rouge, c'est 25. Et après, bon, après il faut faire le score maximal. Donc, de préférence, si vous visez, vous voyez le triple 20. Parce que ça fait 60 et pas 50. Et. C'est... Oh là 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 là. Et là, c'est le triple 20, ça? J'ai fait le triple 20, ouais. Donc, ce qui veut dire que j'ai enlevé 25, 50, ça 75, plus 60. Ce qui fait au final 135, et donc ça me ramène au score de 166. Et oui, Jamy. Oui, Jamy. Oh putain, je fais que de la merde. Oh putain. Allez, on va viser le centre, on est encore au début. Et attention, parce que si vous dépassez le score de 0, vous perdez la partie. Ah, je pensais que ça remontait. Moi, je croyais que tu devais refaire aussi, mais apparemment, tu perds la partie dans certaines règles de haut niveau. Et dans et si GTA, droit, tu perds viser. Lancer stable ne peut être utilisé qu'une fois par tour. Putain, ça dure mais une seconde, quoi. Ah, c'est clic droit, d'accord, ok. Hey, what's up, ça. Une fois par lancer de fléchette ou total?
une fois par tour, j'ai l'impression. Donc, ouais, une fois par tour, c'est bourrin. Et attention, il faut laisser appuyer parce que c'est instant. C'est bon. Ah, bien joué. Encore 86 points, le Lennon. Tu louches. C'est... Oh, bien joué. Il me reste 26, pas mal. Pas mal. À ton tour, mon cher Fanta. Oh, jolie, très jolie flèche. Fanta qui se concentre, Fanta qui tremble. Fanta, il faut arrêter la cocaïne et te masturber, Fanta. Ah, oh, joli tir. Raté. 80 points marqués. On entend les mouches, hein. T'entends les mouches voler. Ah bah écoute, normalement, il y a de la musique de country derrière, mais 86, bien joué. Enfin, 86 au score final, donc tant mieux. Il a peut-être pas gagné parce qu'il va falloir faire ses 26 points. C'est... Ah, 20, ça, c'est bon, c'est réglé. Ça, c'est 20. Il est où le 5? Putain, il est où le 5? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de 5? Tu te fous de ma gueule? Il y a normalement un 5, ça. Ouais, t'as gagné, c'est bon, t'as gagné. Bien joué. Attends, c'est 5, ça? Merde, ça a l'air d'être 2. Moi, je te donne pas... Ah oui, c'est peut-être un 5. Encore 4 points. C'était pas un 5, c'était un 2, je pense. Ouais, le 4, c'est facile. Il a gagné, le Lennon. Ah, putain, 4, mais pas de double. Cassé. Ça veut dire quoi? Il faut finir sur un double, je pense. Oh, au moins. Très intéressant. Je le savais pas. C'est quoi, geste rapide, mèche gauche? C'est pour bouger ton curseur plus vite. D'accord. Alors, 86, et bah écoute, on va essayer de le centrer. Oh putain, n'importe quoi! Le tir automatique! Le tir aléatoire, Fanta! Il fallait aller plus vite! Plus vite! Ah, bien, bien. Encore 21. Bon, bah 20. Bien joué. Impossible de faire un double avec un point. Et donc il faut recommencer. Ah là là, tu vois, ok, il fallait faire 19 là du coup. Du coup, il me reste 26. Du coup, il faudrait que je fasse un double. Donc, écoute, on va tirer au pif et on verra bien ce qui rentre. Voyons voir. T'es sûr que c'est un double ou c'est 1 ou 0 qu'il faut atteindre? 14. Et 0, il faut atteindre 0. 14. Mais t'avais fait, il restait qu'un, donc tu pouvais pas faire double 1, sinon ça te tue, tu vois. 4. Moi, je sais pas où est le 5, donc on va pas se faire baiser. On va viser le 8. Tac. Voilà, et il me laisse normalement 6, donc il faut que je trouve le 3. Et là. C'est... Oh, oh yeah. Bravo. Bravo, Lennon. Oh là là. Vainqueur de Fantabob Force. Et j'ai gagné 500 points d'XP. Pim, 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 pim. Mais voilà, bon, ça c'était la première. Est-ce qu'on fait la revanche? La revanche. Ouais, la revanche. Tout de suite, ellipse. Alors, ça y est, j'ai pu dire bonjour, madame. Impeccable. Bah, du coup, je t'en prie, c'est toi qui invite. Invite-moi, tiens. Vu que tu es dedans, moi, ils m'ont éjecté derrière. Ouais, moi aussi, je me suis retrouvé à l'arrière, en fait. C'est parce que je consommais pas assez, je pense. C'est ça. Les mecs, ils mettent 2€ sur une partie de fléchette, ils boivent pas assez de bière ici. Bon, j'attends ton invite. Ah merde, il a pris d'abord moi. Toi, t'étais déjà dessus? Moi, je suis dessus, attends, c'est bon. Hop. Je vais être obligé de quitter. Voilà. Tout va bien. Nos problémo. C'est quand même chaud hein, pour faire juste une partie de fléchette. Hein, l'état de chargement sur GTA V, c'est... Ouais. Heureusement qu'on joue sur PC quand même, parce que les temps de chargement sur console, apparemment, ça a l'air mais immonde. Et c'est pas pour critiquer, d'habitude je crache sur les consoles et je tape mal, mais là, non, honnêtement, là, je plains plus parce que c'est pas de leur faute. C'est juste c'est comme ça et c'est mal foutu. J'ai autant d'heures de jeu que d'heures de chargement. Alors la radio est éteinte et ça c'est bien. Okay, moi, un bon exemple de jeu Rockstar sur console qui passait bien, c'était Red Dead Redemption. Ouais. Là, tu peux la faire la map sans les temps de chargement. Là, t'es impeccable. Tu vois. C'est dommage qu'il ait jamais sorti sur PC. Sûr ça? Oui, non, t'as raison. Ouais. Ah, oui, non, et je l'avais acheté sur PS3, mais je l'ai pas trouvé assez beau. Ah, pourtant, il était magnifique. Hein. Moi, je trouvais ça génial. Ouais, mais bon, ça faisait longtemps que j'avais un meilleur PC en fait. L'ambiance et tout. Oh là là là. Il fallait mettre les vieilles musiques de western derrière, c'était un régal. C'est parti. Bah écoute, lancement de l'activité. On ne peut pas parier d'argent. Bon, pas de cadeau. Pas de cadeau. Oui, mais non. La dernière fois, tu t'es déjà fait lessiver. Tu sais que c'est pas bon pour toi. Hein? Cette tête de rocker. On est beau, hein. Et mes sourcils sont parfaits, tu vas prendre. Ouais. J'aurais lancé la fléchette la plus proche du centre commence. C'est 5 ans, enfin 25. J'ai trop l'habitude que ce soit 50 cents, tu vois. Et bim. Oh, joli. Bien joué. Tu commences.
Voilà. Allez, vas-y. Et donc, il faut finir sur un double ou quoi? J'avais pas. Il faut finir sur un double et il faut finir à 0. Tu vois, j'avais 6 et j'ai fait un double 3. Et donc, j'ai gagné. Joli, triple. Triple 20. What's up, bro? Oh merde. Oh là, quel dommage. Dernier coup pour le Fanta. Ah putain, non, l'enfoiré! Ah si! 161, cool. Bien joué. Alors là, une capacité du Fanta, mais un talent! Oh merde! Oh. 5 points marqués, wouhou! Ça compte pas? 25, putain, ça compte pas. C'est... Sa mère, 45 points marqués seulement. Ça. Là, c'est très naze. Hein. Très, très naze. Oh là là, tête sans toi. 60. Allez. Ah merde, dommage. Excusez-moi, je me prends. 80 points marqués, ouais, on entend. Bah écoute, hein, c'est le bar. Hein. Ouais, normalement, il devrait y avoir un jukebox qui passe de la musique country, mais YouTube fait chier. Oh là 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 là. La précision des doigts de cet homme. Ouais, t'as vu. Très agile. Hi. Joli. C'est... Ah, quel dommage. 80, tant pis. Elle est dure à rattraper, ça. C'est... Oh là 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 là. Non, mais non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Question. Allez, vas-y, 21. Et là, je fais 20 et un double, alors. Sur ta troisième flèche, ça doit être un double et ça doit amener le score à 0. Donc, fais travailler ton cerveau. Les maths, c'est parti. Oh, putain. Commence par un impair pour finir sur un pair. Reste voilà, 10. Donc il faut que d'abord tu enlèves une flèche, peut-être un 2 ou un 4. 2. Et là, il me reste un 4. Double 4. 4 en double, il est en haut à droite, je te le dis parce que voilà. Ouais, il est gentil, Lennon. Et bim ! C'était le triple ! T'as pris le triple ! Fais chier ! Le sac ! Oh le sac ! Et le double, c'était tout en haut ? C'était tout en haut ? Ah non, non. 20 points, raté. Je savais pas. Oh le sac. Chuitis, c'est bon. Oh non, mais encore 40 points. Mais rien, quoi. Je tire trop. Je tire trop. Mais non, mais la troisième 60. Allez, courage. C'est possible. Je me rappelle plus du coup ce que j'avais fait. 11. Donc il reste 10. Donc on avait dit un 4. Non, un 2. Voilà. Et donc c'est le 4. Le double 4, c'est tout en haut. C'est extérieur. Intérieur, c'est triple. Extérieur, c'est double. Voilà! Voilà! Bon! Bien joué! Eh bah, c'est une égalité. Moi, je dis que pour se départager, il faut faire un combat de boxe. Ah, une belle. Ah, c'est parti. Une belle. Puis après, combat de beat. Voilà, donc là, quelqu'un qui est obviously un spammer. Hein, j'ai reçu 5 messages ou plus de sa part. Je le bloquerai, bien sûr. Voilà. Ça lui apprendra le respect. Et c'est très chiant parce que tu peux pas supprimer les messages tout d'un coup. Ah ouais, ça serait que c'est mal foutu. Tiens, mais si, mais on me casse les couilles. Je commence tout de suite par le faire parce qu'à priori il est insistant. C'est dommage que dans ce GTA là, il n'y ait pas forcément de bowling parce que c'était dans GTA 4 le bowling, mais qu'il n'y ait pas de billard. C'est dommage. Tu pouvais jouer au billard dans GTA 4. J'ai oublié comment il s'appelait. Alors Shinra, merci de me rappeler. C'est quoi ton nom à la con? demande ami, mais c'est bloqué en fait. C'est quoi? C'est invitation de crew? C'est. Je sais pas ce que tu veux faire. Bah, je veux le bloquer de mes amis quoi. Il me fait que des invitations de merde. Non, bah écoute, plus tard, c'est pas grave. Ouais, sauf qu'on voit son nom tout le temps. Bon, écoutez, vous le demanderez à un ami, il a besoin d'amis. Il est sur notre kill list. Si vous arrivez à avoir son kill et à balancer un screen, on sera heureux. Voilà, super. Ça lui apprendra le respect. Hein. Mettez-lui des primes. Voilà, faites-vous plaisir. Investissez, les enfants, investissez. Mais du coup, nous, on continue notre partie de fléchette. Je t'ai invité. Ouais. Ah, tu m'as invité, pardon. Je t'ai invité. Désolé pour ce passage. Alors au passage, il faut savoir que jouer aux fléchettes fait gagner de la force. Ah, je savais pas, et c'est très sympa de savoir. Je suis passé de faible à plutôt très faible, enfin voilà quoi. Et discrétion, je sais pas pourquoi on est aussi fort en discrétion, Fanta, pourquoi on est des putains de ninjas tous les deux. Parce qu'on a fait, moi j'ai fait quand même pas mal de fois la mission avec l'IUM, là. Et il fallait être discret, et puis ça avance très vite la discrétion. C'est vrai. Ah, c'est vrai qu'en pilotage, par alors, contre... Alors, les heists, on va en faire, hein, vous inquiétez pas. On est en train de parfaire notre style. Et puis, dans pas longtemps, on fera des heists. Impeccable. Et du coup, on est prêt. Allez, on y retourne. Tu joues à la manette ou à la souris, toi, du coup? Bah là, pour les fléchettes, à la souris. À la souris, hein, c'est chaud. Ah bah oui, oh.
incroyable. Pareil, pas vissé dans la tête de quelqu'un. Allez, attention. T'as eu ses yeux, ses froncils sourcés, Ses froncils sourcés, oui. Ouais, ses froncils sourcés, c'est pas mal. C'est... Oh là 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 là. Comment tu fais pour te rater? Je sais pas. Je tiens, vise trop, comme tu peux le regarder. Oh là là. Oh, attends. C'est un égalité. Ah non. Non, c'est bon. Ah, c'est... bien. Non, tu peux avoir un micron, quoi, mais c'est pas important. Vas-y. Oh là là, je... Le 60 qui va bien. Pas de pitié pour le Fanta. 60 qui est propre. Oh là 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 là, 20, dommage. Ah, dommage. Classique, hein. On essaye de creuser l'écart. Là, j'aurais pas l'aide à la visée. Tac. Oh là là, double 60, ça fait 140. Hop, direct, voilà. Dead center. Maybe I'll hit the jackpot tomorrow and join Los Santos Country Club where I'll spend the rest of my life playing golf. Oh là là là, c'est en 20. Oh là 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 là, il me fait peur. I got a sweet gig. Oui. Ah, raté. Ah, super. Égalité. Égalité pour l'instant. C'est pas grave, hein, j'ai raté mon coup. C'est vrai que tu trempes de plus en plus selon que c'est la première ou la dernière en fait. Hop là. Joli, mais là 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 là. Le talent de cet homme. Le pire, c'est que j'ai gaspillé ma visée automatique parce que j'ai relâché. Comme un gland. Non, ça dure vraiment qu'une demi-seconde. Oh là 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 là, 120 points marqués. Attention à pas overshoot. Hein. Bien t'es sûr. À 160, là, tu viens. Voilà. Fais juste gaffe. Joli. Score total 31. Je sais pas comment tu vas t'en sortir avec celui-là, mais. Bien. T'es impeccable. Bam. Direct. Allez. Un dead. La stompe de fou. C'est vrai que je me demande comment je vais m'en sortir avec celui-là. 19, c'est fait exprès, 82 points. C'est... Oh, joli! Putain, alors, la concentration d'un homme. Et le double, il compte en double ou c'est... Ah oui, bien sûr, il compte en double, évidemment. Mais ça veut dire que du coup, 31, si t'enlèves 20 avec tes deux premières flèches, non, tu peux pas. Il faut pas que ce soit un impair parce qu'il faut que ça passe en double. Donc il faut que tu fasses un impair dans le tas. Pour enlever le 1, tu vois. Ouais, bah, je voulais faire un 11 en fait. Ouais, 11, c'est très bien. Ah, fake bah, oh, pas le choix. Chien. Attends, 17. Ah bah si tu fais le 11 là, justement, ça te laisse 6. Donc 2 fois 3, après, t'es golden. Ah, bien. Là, le 3 est tout en bas. Attention. Merci pour l'info. Oui, mais... Ah putain, fuck! Ah le chien, il l'a eu! Ah yeah! Ah, ça compte! Heureusement que tu sais compter. Bravo. Pour moi. Je bravo. Sais lancer, je sais pas compter. Bravo. Trop fort. Alors, il y en a qui disent: Bob, t'es trop gentil avec tes adversaires. Oui, t'aurais pas dû le pousser et il aurait dû chercher et perdre son tour. Ouais, ouais, ouais. Bob Lennon, c'est la magie du sport. C'est pas ça, c'est on est au bar entre potes. Si tu commences à jouer sale avec tes potes, c'est que vraiment t'as pas compris à quoi ça sert de jouer avec des amis. C'est le but en fait. Il y a jouer avec des amis et jouer contre des amis. Tu peux jouer contre des amis, c'est pour ça, mais tu peux aussi. Pendant qu'il me fait un laïus sur l'amitié. À l'assassin. Bon, donc disais-je, tu peux jouer avec des amis ou contre des amis. Tu sais, j'ai gagné de la force à te tuer. Ah bah oui, je veux bien te croire. Allez. C'est marrant, j'entends des balles siffler. Oh fuck you. La précision d'un homme. Sweatshot, il t'a plu ou bien? Hein? Hein, il t'a plu. Ta voiture aussi, elle me plaît. Il croit pouvoir s'en sortir, le Fanta. Il croit pouvoir faire du stop. L'automobiliste, le stop de cet homme. Ah, putain. Je peux vous aider, monsieur? Vous avez l'air en feu. J'ai sorti le pistolet. Tiens, je t'indique ma position. Viens me chercher. Alors, il m'indique ma position. Viens me chercher. Ça passe. Aïe, aïe, aïe. Ah, bien joué. Comme un lapin. Big Game Enter. Aujourd'hui, le Bob Lennon. J'ai demandé le duel. Alors, vous remarquerez que je vais viser le poumon.
Faut pas qu'il souffre. L'enfoiré, il précise. Cet enfoiré. Alors, hop, les couilles ou le poumon? Oh mon dieu. Il n'a pas souffert. Bien sûr, je tire toujours sur des femelles, hein. Même pas souffert, tout ceci ne va absolument rien. Tiens, tu sais ce qui pourrait être cool? Hein? Que un crash, là je vois, il y a un avion. Attends, il y a un avion, un hélico. Et on va se crash pour le final. D'accord, je range mes armes, on est propre. Oui. On est propre. Putain. Mais n'empêche, c'est vrai que ce serait trop cool si t'avais la fonction ralenti à la Big Game Hunter où tu vois la balle et tout, tu sais. En mode, bah, pas Big Game Hunter, mais comment ça s'appelle Sniper Elite. Oui. Tu le vois où t'es en avion, toi, du coup? Et juste derrière. Ah, et bien vu. Ok, bon, bah écoute. T'as intérêt à essayer de m'esquiver avec l'avion parce que moi. Enfin, l'hélico parce que moi, je serais sans pitié avec mon avion. Ah ouais? Déjà, j'ai failli te couper avec les pales. Ouais. C'est super cool. Par contre, il veut pas avancer. Ça y est. Moi, je suis à gérer avec la police. Mais la police se met sur ma route. Et... Pardon, officier. Et cette vitesse dans les nonnes. Oh. Il me taille le cul! Hop là! Il va y avoir des vraies. Alors, question, est-ce que tu crois que je peux sauter dans les airs et monter dans ton avion pendant que je vole? Je ne pense pas. Ce serait. Moi je dis, il faut essayer. Je te saute sur l'aile, éventuellement j'essaie d'attraper. N'arrivera pas, il n'y a pas de bouton pour attraper, c'est dommage ça! Faudrait un bouton à la gang beast, tu sais, pour attraper, ce serait pas mal. Bon, je vais juste trouver ton hélico, hein, espèce d'enfoiré. Voilà, moi j'allume les lumières qui font clic-clic et qui clignotent. T'as vu, je clignote à gauche et à droite, je fais blip-blip. Est-ce que tu veux essayer de sauter sur l'hélico et voir si tu passes à travers les pales ou pas? À travers les pales, t'as raison, c'est Mortal Kombat. Ah mon dieu. Bah peut-être tu peux esquiver. Un stack haché les nains. Je suis au-dessus de toi, je suis au-dessus de toi. Par contre, j'arrive pas à te voir parce que t'es au-dessus de moi et mon avion a... À des limitations de hauteur en fait. Ah, et en fait, ce qu'il aurait fait, j'aurais bien voulu sauter en parachute. Et on va dans la prison pour voir comment ça se passe. Laquelle prison? Juste là. C'est une prison ça? Ah oui. À mon avis, il devrait pas être trop content. Ouais, je sais pas. Je passe en. En rasmote. Non, mais ils le vivent bien, regarde. 4 étoiles, ok, bah ils le vivent, ils le vivent. Je les ai pas eu. Ah, le Klebs. Et surtout, tu vas trop vite, j'arrive pas à faire demi-tour pour essayer de t'en rentrer dedans. C'est moi qui suis derrière toi. Allez, je saute. Essaye de me rattraper. J'essaye de rattraper l'avion. Essaye de me rattraper, Bob. Je vais essayer de t'atterrir sur l'aile, je sais pas. Oula. C'est mal barré. Je te vois plus. Je pourrais essayer de sauter, de plonger vers le sol, mais... Merci. Bon bah voilà. Tout ceci est clairement un échec, mon cher ami, c'est pas grave. Fanta win. Attends les amis, on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Merci de nous avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir vu ces actions épiques en plus du combat de fléchette. Assez rigolo. C'était des belles actions, hein. Le combat de fléchette était de qualité, hein. Bob et Fanta s'affronteront sur d'autres sports, des sports d'hommes nobles, hein, des sports formidables. Et oh, je vois ton cadavre, j'arrive au moment où les flics t'achèvent. Ah, quelle c'est tristesse. Con. Ah oui. Ah c'est con, surtout que j'arrivais avec mon pistolet à détresse. Et ça par contre, les pistolets à détresse, Fanta, c'est un vrai duel. Parce que pour toucher au pistolet à détresse, je te dis pas déjà l'angoisse. Non mais non mais non, forcément. Forcément. Oh là là, c'est pas un pistolet à détresse ça. Ah, il m'a eu. Ah génial. Bien joué, magnifique action, on est mort 4 à 3, bah écoute, on va s'arrêter là-dessus. Oui. Dans tous les cas, chers amis, gros bisous à tous, merci d'avoir regardé ça, et à la prochaine. Si vous avez des conseils en fléchette, n'hésitez pas, hein, encore une fois, on apprécie tout commentaire sur la beauté du sport. Hein. Et dites pas qu'on est mauvais, on s'en est très très bien sortis, j'ai envie. Oui, tout à fait. Ça va rien dire. Allez, bisous. Gros bisous à tous et zou.